L'Ouzbékistan est un État d'Asie centrale qui a proclamé son indépendance en 1991. Il est situé entre le Kazakhstan au nord et à l'ouest, le Turkménistan au sud, le Kyrgyzstan et le Tadjikistan à l'est. Il possède également une frontière avec l'Afghanistan au sud. Après 6 heures d'avion, nous avons atterri à Urgench avant de partir pour la ville de Khiva. L'hôtel Madrasa, dans lequel nous logions, était autrefois une école coranique avec ses cellules de chaque côté de la porte principale. Ishankala, la citadelle interne, est la ville intérieure de Khiva. Elle est cernée par un mur d'enceinte en pisé et renforcée par des tours. La mosquée blanche, les médersas Arab Khan et Muhammad Amininak, le mausolée Alaaddin, la médersa Rakim Khan et le minaret inachevé font partie des curiosités de Khiva à ne pas manquer, au même titre que le minaret de l'ensemble commémoratif Islam Khodja, avec son minaret qui s'élève à 45 mètres au-dessus de la ville. Après un long trajet à travers le désert Kizilkoum, des champs de coton, des troupeaux de moutons et de chèvres, à traverser du fleuve Amoudaria, nous sommes arrivés à Boukhara, la ville aux 360 mosquées sur la route de la soie. Peut-être moins authentique que Khiva de par ses nombreux commerces, Boukhara n'en demeure pas moins une ville où il fait bon de se promener. L'ensemble Liabikroz, dans le centre-ville, la mosquée Magoki Atari et la coupole des marchands, les médersas d'Ulugh Beg et de Tim Abdullah font partie des incontournables. Le centre des métiers, où se côtoient tapissiers, sculpteurs, peintres et tisserands, permet de découvrir les magnifiques réalisations ouzbèques. Une halte bien sympathique avec au menu un plov, plat traditionnel par excellence. Il se compose de riz sauté, de légumes, de viande de mouton ou de bœuf et d'épices. La préparation est un rituel, sa saveur est particulière et le déguster un moment de plaisir dont il ne faut pas se priver. La dextérité est le seul moyen pour donner vie à ces créatures. Il ne leur manque que la parole. La mosquée Bolokaouz, reposant sur des colonnes en bois. L'intérieur de la mosquée, dans les tons de blanc et de bleu, est superbe. Un lustre suspendu donne une profondeur impressionnante à ce lieu. Chasma Ayoub fait partie des lieux saints de Boukhara. Chorminor est une médersa avec une coupole et quatre minarets couronnés d'une petite coupole bleue.
and water. Sugar and water. No onion. No, no, no. This is. Le grand marché de Boukhara est captivant. Il s'imprègne de l'odeur des diverses épices orientales, des odeurs de légumes, de fruits secs et frais. Les huiles côtoient les pâtes et les abricots secs, les melons et pastèques. Le marché ouzbek est le reflet des traditions anciennes et des coutumes des peuples locaux, des peuples de l'Asie centrale et des pays de la Grande Route de la Soie. Je sais pourquoi il gueule. Nourata abrite les vestiges d'une antique citadelle et deux mosquées. À travers le désert, sur une piste pour rejoindre le camp de yurt situé sur les bords du lac Edarkul, non loin de la frontière avec le Kazakhstan. Seul au monde, sur les bords du lac, avec le soleil pour témoin. L'intérieur, sommaire mais quand même assez confortable. Personnellement, j'aurais préféré un peu plus spartiate. Une curiosité ouzbek, le gaz qui passe dans le tuyau jaune pour alimenter les maisons des villages. Samarkand, sur la route de la soie, ancienne route commerciale qui reliait la Chine à la Méditerranée. C'est la seule grande ville au monde où trois grands chefs militaires ont lutté pour sa possession. Alexandre le Grand, Gengis Khan et Tamerlan.
la place du Régistan, un endroit mythique de Samarcande. À l'époque de Tamerlan, elle deviendra le centre du commerce par où passaient toutes les marchandises de la route de la soie. On y faisait des affaires, du commerce. La place du Régistan devait afficher la puissance du pouvoir. Trois monuments entourent cette place. La madrassa d'Ouloubek, la madrassa de Tiyakari et la madrassa de Shirdor. En arabe, la madrassa est une école. La mosquée Bibi Ghanim, c'était la mosquée principale du vendredi à l'époque de l'Empire Timouride, c'est-à-dire les descendants de Tamerlan. Samarcande, dans un atelier de confection de costumes traditionnels en soie. Sympathique, la dégustation de vin ouzbek au musée du vin. Magique sur la place du Régistan. Un son et lumière exceptionnels dans un lieu grandiose.
le mausolée d'Al-Bukhari. Alors, mesdames et messieurs, voilà maintenant ici, on va commencer. Cimetière arabe. Comment cuire le pain? De quoi se restaurer en arrivant à Tachkent dans un bel établissement. Pourquoi faire simple quand ça peut être compliqué? Le stade de Tachkent. Théâtre de Tachkent.
Amir Temur, dit Tamerlan. Toutes les bonnes choses ont une fin. La nuit est tombée sur Tachkent, capitale de l'Ouzbékistan. Demain, nous prenons l'avion pour Paris, après 10 jours pleins de découvertes, variées, intéressants, passionnants, dans un pays qui évolue à grande vitesse. Nous ne pouvons que leur souhaiter bonne chance.